Yo, tout le monde, septième épisode 5. Nous sommes les Alains, donc un peuple des steppes. Enfin, on est maintenant même, j'ai envie de dire, la confédération, la horde des steppes. Hein. Je sais pas si c'est une confédération, non, non, c'est vraiment la horde des steppes. Allez, nous sommes les hordes des steppes du coup. Avec la Bactrie, je me souviens. Et oui, on venait. Je sais même plus ce qu'on avait fait l'épisode d'avant, honnêtement. Je me demande si on n'avait pas juste tout simplement fait rejoindre Sarai. D'ailleurs un truc comme ça. Hop, là on annule l'édit en cours. Voilà, on va mettre notre édit ici avec de l'imposition. Ça fera du bien. Ça fera du bien. Non, d'ailleurs, j'avais pas envoyé un amiral en mer, il est peut-être arrivé depuis le temps. Ça va faire je sais pas combien de temps qu'il est en mer du coup. Mais oui. Oh la vache, Palmyre. Oh là là. Bon, on va aller découvrir des gens. Hein. Donc on va faire ça pour l'hygiène publique. Comment on s'entend Palmyre avec les autres? Elles s'entendent bien, merde. Donc ils pensaient que ça allait. Ils allaient m'aider. Bon, bah, je me mets le doigt dans l'œil. Pas de soucis. C'est qui ça? Les villes coyotes? Ah ouais, j'avais dit. On retourne là. Et on va très certainement aller. Faut voir. Ah, super. Il faut voir en fait selon si Bactrie il nous embête ou si Bactrie nous embête pas. Voilà, tout ça, tout ça. On va faire une enceinte sacrée, on va quand même augmenter notre culture. Enfin, culture dominante. Hein. Et on voit que pour une fois on a un peu de sous. Autant en faire quelque chose. Recherche pareil, ça fera pas de mal. Toi, Bordeaux, un petit up également. Oui, c'est vrai que t'as de quoi faire. On va regarder un peu dans les agents s'il y en a qu'on peut lever. C'est pas grave. Là, on vole et là, on vole. On est bien. Ok, donc apparemment j'avais fait de ma cible l'Arménie. J'avais fait de l'Arménie ma cible au choix. On va voir ce que ça donne. Ok, nouvel objectif. Ah. T'es entièrement. Ça marche. Ça m'intéresse pas ça, il y a l'ego en fait. Alors, Melgunov, ça a la rigueur, je veux bien. Mais pas plus quoi. Bon, on va retourner là-bas. Hein. On va aller à Melgunov. Pardon.
pas trop le choix. Et puis au pire, on fera en sorte que c'est qu'il y ait une petite révolte, hein, au niveau de Olbia. Ce serait quand même pas de chance. Pour eux, bien sûr. Encore être up. Eh ben, allons-y. Il a oublié. Ah oui, non, mais c'est... J'ai oublié. Ah ouais, j'ai pas d'armée là-bas. Il m'en faut au moins une. Pas de soucis. Voilà. Crater. On est pas si mal. On est pas si mal, donc... Ah oui, il a oublié, lui aussi, qu'il explorait les mers. Voilà, et on va avoir une armée en plus pour défendre le... En cas d'attaque de la Bactrie, défendre l'est de la mer Noire, de la mer Morte. Voyage de conquête, ouais, ça va bien. Ah oui, il fallait fusionner les armées. Allez toi, zip. C'est quoi, on va faire de l'industriel ici. On a assez de nourriture. Si c'était ça où je voulais aller, mais c'était là. Lui il peut plus être up. Oh dommage. Mais elle peut. Hop, c'est parti. Aucun souci. Ah oui, c'est vrai que le recrutement elle doit se faire avec elle. Parce qu'elle me les recrute à un niveau amélioré. Ah zut, zappé. Je suis prêt. La route s'offre à nous. Qu'est-ce que je peux recruter? Qu'est-ce que j'ai besoin surtout? Tout ça, j'en ai pas besoin. Enfin, pas que j'en ai pas besoin, mais. Ça passait de portée. Il est temps de grandir. Merci. Ah zut, j'ai pas assez d'argent. On va recruter 3. Pour le tout puissant, nous ne pouvons pas passer. 3, ça me fera 16. Il me manquera 4. 4, 4, 4. Faudrait. Ouais, 4 unités de cavaliers des steppes, cavalerie des steppes, je pense. Comme ça, pour contrer les cavaleries ennemies, ce serait pas trop mal. Ouais, on va faire ça. Asseyez-vous donc. Non, pas de soucis, moi aussi, je suis pas sûr. Oui. Hop. Il manque un peu d'argent pour faire. Cette route ne nous est pas accessible. Ah bah bravo. C'est vrai qu'en mer, on peut pas décaler un petit peu. Hein. C'est pas assez la place. On refuse les villes de la mer. On a suffisamment d'unités comme ça. Ok, on a rencontré Rome. J'ai vu qu'il y avait... c'est pas là. Ouais, ouais, mais j'ai dormi à recruter, les gars. Faut pas déconner aussi. 4. Je vis pour servir mon peuple. Ouais, je vais pas envoyer des bretteurs à pied. Hop, et une de marin. Ouais, elle commence à me saouler. Bon. Passons aux choses sérieuses. Ouais, un petit présage de conquête, ça c'est bien. Champion, c'est pas toi le champion, hein, qui,
Ah ouais, d'accord, il est là, lui, en mode. Il a du mal. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en kikiner les go, là. Il commence à me. Je vois des espions chez moi, et je vois pas mal de bazar, là. Bref, faisons la découverte du bord de Méditerranée. Oui, c'est vrai qu'il y a le prétendant romain ici. Ah oui, d'accord, oui, j'ai eu la technologie, du coup, ça m'a débloqué les temples, etc. Ça se voit. Non, c'est ça. Ouais. Plus de conversion culturelle. Ça, c'est bien. Oups, excusez-moi, les gars. Ah, il va me casser les burnes, lui. Ah, lui, je le sens bien me casser les bonbons là, avec ses. Avec son unité à la con. Bougez-vous les oreilles. Excusez-moi, rebelote. Ok, bon. Mon champion, il va aller faire un assassinat. Bon, 7%, waouh. Eh ben, avec 7%, on va pas les durer loin. Mais bon. Faut commencer par quelque part. Toi. Voilà, juste histoire d'aller hors de portée de l'autre saloperie là. Et on augmente nos temples. On va augmenter tous nos temples. Du bonheur, de l'hygiène publique. De la consommation de bouffe, certes. Mais bon. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 60, ce qui est plutôt pas mal. Conquête du roi. Hop, parfait. Oui, et puis bien sûr, ça nous rapportera. Bah, pas grand chose. Moins de banditisme. On a la culture dominante en plus, ça c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Il fait pour faire quoi lui? Il est fait pour faire du fric. Ça c'est bien aussi. Même très certainement aller utiliser pareil un renversement d'agent. Non. Faire sacrifice sanglant, voilà. Ça augmente le moral, c'est tout bénef. Voilà. Ah non, lui, c'est tout bâtard. Voilà, lui, il va faire le tour hein, du. Des terres connues, hein. Il va aller jusqu'à peut-être aller un peu trop au nord, là. Voilà, il va faire tout le tour. Ok, deux éclaireurs. Plus de portée, c'est bien ça.
Lui, c'est mon assassin, lui. Et lui, c'est juste un voleur de bouffe. Pas juste. Ah tiens, il a fui. Tiens, non. Ah non. Ah si. Ah, ça pue, ça. En même temps, il faut bien entraîner un peu. Mais non. Il a réussi, ce couillon. Ah, débarque. Allez, reviens me faire chier un jour, toi. On en reparlera. Oh, c'est pareil. Tout pour m'emmerder. Hein. Oh non. Pourquoi je peux pas? Super. Ah merde! Ah, j'avais pas vu qu'il venait de reprendre lui. Oh, le débile, putain. Je vis pour servir mon peuple. Ouais, c'est la technique du blocage de pont. Hein. Voyager, c'est être libre. Et pourquoi pas la technique du. Le tout pour le tout. Merde. Et tout pour le tout va pas trop bien fonctionner. Ah bah c'est pas grave, hein. On va très certainement avoir quelques différends avec l'ego. C'est pas un souci. Ils nous feront la paix une fois qu'on les aura bien matés. On va prendre bien. Voilà, parfait. Voilà, il s'occupe bien de la première armée, on est d'accord là. Ça met 20 ans par contre. Il se fait des gommes. Ok, alors. Toi, tu retournes là. Toi. Bah, tu retournes entraîner, faut pas déconner. Toi. Un petit raid. Pas doué, hein. Ils sont clairement pas doués. Toi, tu fais une petite embuscade. Et toi, ouais, t'essayes ça. Tu vas faire de l'XP. Hop, c'est là. L'exploration continue. Hop, tiens, y a un ram qui est monté au maximum. Et c'est bien. C'est du 6 déploiement, c'est pas non plus. Non. Bof. Ah! Ah bah oui, ça c'est pas mal ça. Personne, bah, écoutez les gars. On rase. Et on reconstruit par-dessus. Hop, un petit puits. Qui es-tu? Comment puis-je vous aider? J'en serai. Non, tu m'étonnes. Mon échec.
J'apprécie l'XP, écoute, petit à petit ça ira mieux. Ok, voyons voir comment je m'entends avec les autres. Ouais. Bah, faudra faire gaffe au bruit. Ouais, je mettrai une petite armée sur moi, un bruit. Et une autre à Olbia, ouais, pas trop choix. Deux armées défensives. Ok. Non, pour l'instant. Ouais, on va partir comme ça. Alors là. Ah oui, c'est vrai. Alors tenter un assassinat. Hein. 4%, il a gagné 1% les gars, c'est pas mal. J'ai échoué, mais je vis pour continuer. Je l'ai motivé. C'est juste ça. C'est pas si mal, c'est pas si pire. Oh bah coucou toi. Qui es-tu? Lancier, quelques archers. Et en résolution auto, ça donne quoi? Ouais, pas ouf. Quelques frondeurs, un peu plus de portée, mais d'accord. Bon bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je mène juste la bataille sur le champ et je clôt juste après. Donc pour ceux qui veulent voir la vie, la bataille, bah j'enchaîne là de suite, hein. Même pas de coupure. Et pour les autres, je vous dis merci d'avoir suivi. Et à demain. Alors, bataille de Melgunov. Voilà, donc je vois il y a trois archers, deux frondeurs. Je vais essayer d'attirer leurs troupes corps à corps. Ou même là, je vois la cavalerie générale. Et avec mes unités de cavalerie, foncer dans ces unités. Corps à corps, et bah décidément, quel temps de merde, hein. Pas trop chaud apparemment que de se battre sous la pluie. C'est pas. C'est pas ouf. C'est trop large. Pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Ouais, bien sûr, tout ça en interrupteur escarmouche. Zuit, on avance tout ça. Avance rapide, hein. Ça sert à rien de fatiguer la cavalerie. Bien qu'elle soit légère. Ah. Je vois des défenses de ci de là. On va quand même vérifier. Voilà, chevaux de frise là. On va ne pas aller jusque là. Hop, 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 hop. Voilà, ça suffit. Allez, faites un rechargement rapide, vous. Eux, on les décale. Là-bas, pareil. Là, on a une bonne cadence de tir, ça tire bien. Attention à eux, là, qui prennent beaucoup de focus. Je vais les faire reculer, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais tous les faire reculer. On a tiré l'ennemi au corps à corps. On va envoyer toutes nos unités sur leur cavalerie ennemie. Lui, il s'était dégagé, il est couillon. Hop, on recule pareil encore. Un petit coup de draco. Hop, on recule encore. Encore un petit coup de draco.
Enfin, de nouveau plutôt. Tu vois, hop, on essaie de pas se laisser rattraper par les unités de l'ancien relais. C'est pas une bonne chose. On recule encore ici. On décale, attention, on décale ici. On a pris une salve. Dommage. Ici, on recule encore. C'est pas mal hein, ce qu'on fait, c'est pas mal. Hop, là on fonce. Le général là-bas, ok, il a dit... Il se barre, pardon, voilà, j'allais pas trouver mes mots. Hop, là on continue de cracher nos munitions, hein, tant qu'on a... Bah voilà, ça fait le café. Voilà. Et là on est pas trop mal, donc on n'a pas eu trop de pertes à ce niveau-là. On continue de reculer. Hein. Est-ce qu'il tire au moins? Aucune idée. Hop, on va resserrer même les rangs. C'est quoi? Voilà. Pas besoin d'être aussi desserré. N'oublie pas ça. Voilà, on refait un petit coup de... rechargement rapide, c'est pas grave si ça les fatigue un peu plus. C'est une unité légère, ils sont en forme en plus. Voilà, ça fait bien le café. Ils peuvent pas faire grand chose. Normalement je devrais avoir moins de pertes que prévu. Oh, attention les gars, on a bien vu hein. Bien évidemment décaler tout le monde. Hein. On a mis du terrain derrière. Voilà. Regardez-moi ça, c'est tout propre. C'est tout beau, tout beau, tout propre. Voilà une cavalerie. Une armée qui fait bien ce qu'il faut. Oh, on est en contrebas, c'est dommage. J'aurais dû partir de l'autre côté. On va faire du coup. Non, on continue de tirer les gars. Ah, j'ai vu que celle-là, elle a pris cher quand même. Voilà, ça va. Ça meurt tranquillement, ça fait le café. Plus de beaucoup de munitions, il va falloir quand même se méfier. Bon après là vu ce qu'il reste hein, c'est que l'unité légère. Ah, une unité moyenne là de lancer germanique. On enverra la cavalerie lourde hein, et puis basta. Ouais c'est bon, ça commence à fuir certes. Le niveau moral là ils en peuvent plus. En état de fatigue. Et voilà. On va continuer un pouilla, voilà, juste histoire de dire que qu'il y a moins de survivants. Hein. Allez hop. D'ailleurs, voilà, on n'hésite pas à aller loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai une unité qui a totalement... totalement craqué, j'ai une unité qui s'est fait pourrir, j'ai pas compris là. Par ça? Mais non, attendez. Pourquoi j'ai eu tant de pertes? C'est le feu à volonté, c'est ça? Je me suis baisé toutes ces unités seul. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Hein. Pertes? Oh. Ah ouais! J'ai eu 331 pertes en tir allié. Pardon?
Mais quand? Ah oh, merde. Ah le mauvais move à la fin. C'est dommage ça, le mauvais move. Horde nomade, ah. Ouf. Plus 30 potions morales pour les unités combattant au territoire étranger. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui les gars. Hop. Ils sont combien là? Ils sont pas beaucoup. Hein. Bon, je vais. Hop. Rentrer. Si. On finit les constructions. Et je vous laisse là. Voilà, donc on a notre prochain objectif, hein, c'est-à-dire faire tomber l'ego. Et bah, c'est ce qu'on fera lors du prochain épisode. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.